Pour ce qui concerne les garçons, un jour, ils se réveillent et ils découvrent qu'ils ont un os en plus. Non, 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 je voudrais pas créer des équivoques. Je parle de la pomme d'Adam. Les filles. Mais ça sert à quoi de boire tous les jours, hein, pour obtenir un effet cactus? Et pour se libérer, alors? C'est quoi? Et de mélange géant, dur comme du marbre. Mais où on les met? Comment on les gère? Où on les cache? Eh bien, alors, jusque-là, les garçons et les filles ne voulaient pas jouer ensemble. Et maintenant, ils ont tous une terrible envie de partager les bons plans. Allez, fais-moi mes plans. Non, ça devient un peu délicat pour les garçons, hein. 4 cm de décalage possible. En érection. Oh là là, oh là là, il lui manque un morceau. La société n'arrête pas de vous balancer de la pornographie et de la violence à tout bout de champ. Hein, à la télé, au GT, dans les films. T'as la pub. Oh oui. La syphilis, le sida, le contraceptif le plus efficace que j'ai jamais utilisé. La pudeur est un sentiment normal et légitime. Vous en avez le droit. Revendiquez-le. La chose importante est d'aimer. À quel âge vous avez commencé à expérimenter un peu la technique du baiser, hein? Non, parce que moi, la première fois que j'ai chopé ma fille Gladys, elle n'avait pas 3 ans. Maman, il est bon, Jalal.